que dibujar. Me molesta, no te ¿Qué es esta? No, yo te vení a comprar. À l'UNICEF. Comment vous appelez? Je m'appelle Traoré Adama. Votre nom d'administrateur Guy Adama. Pour participer à ce salon-là. Nous disons merci à la Guinée-Bissau. Nous disons merci à la France. Nous disons merci au Congo. RDC, nous voulons dire merci à la délégation effectivement du Burkina Faso. L'environnement des gens. Pour vous qui nous suivez, nous vous invitons. Puis la musique, il y a des stands. J'écoute beaucoup la musique, les reggae, les zougourous, qui me donnent la situation beaucoup. Du pays des hommes intègres, nous avons le père Adamo dans son. Alors, comment vous réussissez à réaliser tout ça? Nous avons aussi notre frère Elvis qui est sourd, même qui fait de très beaux portraits. Nous avons quand j'étais petit, j'étais chez une femme blanche, elle s'appelle Marie Odile Biburon. Elle est décédée en 2002. Oui. Et grâce à elle, on était dans une centre d'handicapés. Et grâce à elle aujourd'hui, il y a du beau à voir au sauveur. C'est elle qui m'a appris à faire tout ça aujourd'hui. Ouais. Nous allons inviter Madame Molongo à venir sous ovation. Deux tableaux par jour. On peut encore l'ovationner avant que je prenne la parole. Merci. Alors, vous les vendez les tableaux que vous faites une dessin de disposition? Oui, bon, je vends les tableaux à Sokossé des Plateaux. Je suis à Sokossé des Plateaux. Oui, c'est là-bas que je fais les tableaux, c'est là-bas que je vends. Il y a les gens, tu viens demander les portraits, avec les petits tableaux, les gens me soutiennent, grâce à Dieu. Là, on voit des très beaux tableaux. Est-ce que, par exemple, ce tableau, est-ce que vous pouvez l'expliquer? Où est la lumière? Qu'est-ce que vous l'inspirez? La lumière, tu n'as pas le verre, parce que dans la vie, le noir, ça donne malheur, le bonheur. La vie de l'homme, le ange. C'est-à-dire, la vie, il ne faut jamais avoir la haine devant ton prochain. Il faut avoir toujours le bienfait de ton prochain. C'est ça. Tous mes tableaux, c'est ça que je parle. Parler la haine, t'a détruit. La haine t'a détruit. C'est ça. Ouais. D'accord. Est-ce qu'on peut parler de l'esprit de ce tableau-là? Ça comme ça, je fais à 45 000. Est-ce que votre tableau se vend bien? Non, ça ne te vend pas bien. Bon, ici en Côte d'Ivoire, les gens ne considèrent pas les artistes peintres dessinateurs. C'est là, en Europe, ici ils vont te dire, ah vraiment, il faut diminuer. Le souffle de vie, nous, on prend pour faire. Il n'y a pas une volonté dedans. C'est-à-dire, il voit, parce que il ne voit pas l'important. Mais quelqu'un qui vient d'Europe, quelqu'un qui connaît vraiment le. Quand tu dis un prix, il n'y a pas de problème. Mais l'autre, il va te dire, ah, vraiment, ce tableau, il faut laisser à 1000 francs, il faut laisser à 10 000, il faut laisser à 15 000. Au contraire, tu as diminué ton travail.
Vraiment, et parlement, je fais les peintures avec les vraies peintures. On décolore, tout. C'est-à-dire, je fais pas quelque chose à peu près. Voilà. Parce que je veux que mon client soit être à l'aise. En plus, je me donne avec un cœur ouvert. Je forme les gens, tout ça. Voilà. Personne n'est venu m'aider d'abord. Ça, c'était en 2016. C'est Panama, ministre Panama, tu m'as envoyé chez le président pour me décorer. Ministre Panama, aujourd'hui l'ambassadeur de France. Oui. En 2016. Oui. Voilà. Et grâce à lui aujourd'hui, j'ai fourni mes tableaux encore plus. Parce qu'avant, je faisais je prenais la peinture de gouache. Ouais, c'est ça que je faisais avant à Sokoso, au feu de Sokoso. Mais aujourd'hui, grâce à lui, mon papa aujourd'hui, il est en prison, sous. Lui aussi, depuis 2009, il m'a soutenu. Je ne peux pas mentir. Parce que t'es les personnes qui m'ont soutenu aujourd'hui. Ouais, avec le président. Nous pouvons avoir une lecture. Et tous m'ont soutenu. Grâce à ça aujourd'hui, j'ai fourmi. Je fais un effort. Pour ceux qui ne donnent pas. Jamais tendre la main. Me battre très fort. Me grandir. C'est ça. Parce que c'est dans le mental. Vous arrivez à vivre de votre art. Un peu. À l'aide soutien des autres. Oui, à l'aide soutien des autres. En disant que tout est dans handicapé, oui. Et vous arrivez à. C'est de la façon dont vous êtes défini dans cette société. Alors, comment expliquer ce que c'est de cette façon-là que fait la, que la société bon. Va. Tout, on dit, c'est Dieu. Oui. Parce que l'homme, un d'abord, va avoir le moral d'abord. Faut être humain de toi-même. Tu te dis, parce que les gens te disent quoi? Une personne, on voit directement. Donc, comme moi, je suis assis. Une, tu ne vois pas mes yeux, tu vas dire peut-être, moi, je demande l'argent. Mais en personne, lui, je viens, je te dis, ah, c'est moi, j'ai fait ça. Tu vas dire quoi? C'est faux. Je te montre directement, c'est moi, j'ai fait. Dans ça, il y a les personnes qui m'aident beaucoup à faire ça. Mais aujourd'hui, grâce à Dieu, les gens me soutiennent. Beaucoup. Mais il y a un seul problème aujourd'hui. C'est une maison. Parce que quand je m'allais prendre la maison, la pauvreté dit quoi? Que parce que je suis un handicapé, je ne peux pas prendre la maison. C'est-à-dire, quand il me voit parce que j'ai les membres coupés, il te dit non, je ne peux pas faire quelque chose. Mais je les montre vis-à-vis à eux-mêmes, que malgré que j'ai les membres coupés, ma tête n'est pas coupée. Mon intelligence n'est pas coupée. Oui. Mon esprit. N'est pas coupé. Au contraire, je lui ai dit que lui-même, tu es un handicapé. Parce que dans la vie, l'homme, il ne faut jamais dire non, tu vas juger l'homme parce que lui, il est comme ça. Nous voulons dire oui à toute initiative. Vraiment, je leur donne le conseil. N'ont qu'à chercher un métier, faire un métier, prends le courage en main, ne tends pas la main. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un va te donner 5 francs, demain, il va te donner 5 francs. Après là, il ne peut pas tout te donner. Lui, il a une famille. Tu ne peux pas rester dans la rue, tu vas voir une famille. Jamais. De la population tout entière pour avancer jusqu'au sommet de l'État ou d'un pays. Merci beaucoup. Parler du développement économique en Afrique. D'accord. Que Dieu te bénisse. Et surtout en...